Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Darkest Dungeon. Et dans cet épisode de Darkest Dungeon, on va regarder déjà si on a des bonus. Sadakat a vu l'un des attributs traités avec succès, attribut supprimé modeste, événement, le village effervescence et l'activité de réduction de stress de la ville sont légèrement moins efficaces. Aïe aïe aïe. Il faut qu'on fasse déstresser Sadakat et pour cela on va le mettre ici. Il en a pas beaucoup, mais bon, on va quand même le mettre là. Et faut qu'on essaye de faire level up des petites unités aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a fait une expédition avec Endym, tout ça, il va falloir qu'on continue. Hein, parce que très clairement, on n'a pas encore beaucoup. On a encore 2 level 1, 3 level 1. Le problème aussi, c'est qu'on n'a pas de jester. J'aimerais bien avoir d'autres bouffons. Pour cela, on pourrait augmenter et fixer à 3 le nombre de héros disponibles. Ça coûte pas très cher. Et je pense que ça sera le maximum qu'on fera. Des héros niveau 1 apparaîtront parfois dans la diligence. Bon, je pense qu'on peut s'en passer. Donc je vais juste mettre des points là. Il faudrait qu'on puisse level up les spells et les sorts de niveau 2. Mais vous voyez, ça coûte très très cher. Hein. Ça coûte 20-21. Ça coûte extrêmement cher. Vous voyez, on en a que 12. Donc ça va être un petit peu l'objectif d'aujourd'hui. Essayer d'améliorer soit la guilde, soit d'améliorer. Là, vous voyez, c'est 5 sur 14. Réduit le coût des compétences. Donc ça, c'est pas terrible. Et ça, c'est parfait d'améliorer les compétences au niveau 3. Niveau pognon, on reste bien. On a 56 000. Même si j'aimerais plus être aux alentours des 75, 80 000. Voilà. Au niveau du fonctionnement, on a la banque, c'est vrai. Mais il nous manque la grange. Et la grange, c'est 60 portraits comme ça. On en a 23. On est quand même pas mal hein, au niveau des trucs. Je préfère rester comme ça pour le moment. De toute façon, on va bientôt les dépenser. Je pense qu'aujourd'hui, on va en dépenser pas mal. On va essayer de faire une expédition. Vous voyez que les ruines, c'est foutu. Maintenant, c'est du level 3. Donc, on va essayer d'aller chercher une longue. Attends, on n'a pas de longue. On a une courte ici. Dans les wilds. Dans les creeks, on n'avait pas du tout kiffé. Hein. Dans les creeks, on n'avait pas du tout kiffé, rappelez-vous. Donc, là, c'est un peu ballot. Parce qu'on a que de la courte. Uniquement pour médecin de la peste commune. Résistance aux maladies. Bon, c'est pas très agressif, quoi. Chance d'infliger un étourdissement plus 15. Uniquement pour médecin de la peste. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que médecin de la peste, il y a le stun de zone qui permet de stun 2 unités. Qui est complètement broken. Qui pourrait être bien. Donc on va aller le chercher je pense. C'est du wild, donc c'est du saignement. Le saignement on peut l'avoir. On peut prendre un petit calcifère. Alors est-ce que je vais vraiment level up calcifère ou est-ce que je vais pas l'abandonner? Je crois pas qu'il fait de saignement. À proprement parler. Non, il fait pas de saignement. Torche moins 5. Main abyssale. Ah oui, il fait diminuer la torche le CRR. Là c'est du saignement mais c'est un soin. Esquive. Sort de vulnérabilité. Marque la cible. Modification de damage moins 95%. Esquive moins 15. Marque la cible. Donc c'est vrai que ça serait bien d'avoir derrière quelqu'un qui puisse avoir des dégâts sur marque. Et je crois qu'il a des dégâts sur marque Endym. Dégâts plus marque 25. Donc ça ferait qu'on aurait un truc pour attaquer la backline. C'est vrai, on aurait un truc pour attaquer la backline avec calcifère. Donc calcifère pourrait soigner avec ça. Et faire des dégâts, il faut le mettre en... Ouais, le problème c'est qu'il faut le mettre normalement en quatrième position. Donc il peut jouer ça, il peut jouer ça, et il peut jouer ça. On peut essayer de voir, on peut essayer de voir pour calcifère. Je suis pas sûr qu'on ait level up ses sorts. On va essayer de voir, on va tester. On va tester, on va tester. C'est en testant qu'on devient testeur. Hop. Ok, on est bon. On va revenir en arrière. On va faire ce groupe là, je pense. Abomination, ouais, toujours pour essayer de faire level up l'abomination. Pour essayer de voir si vraiment c'est une classe que je rejouerai ou pas. Au niveau du fonctionnement, oui, c'est à la guilde qu'on voulait aller voir. Et de mettre Catifère dans le groupe. Pour pouvoir essayer de level up. Esquive moins 7, marque la cible, base 112, c'est bien. Et on va prendre le soin amélioré, de 0 à 15, putain c'est quand même un heal qui peut heal à 0, c'est tellement infâme, même quand il est level up. C'est quand même très dangereux quoi.
J'ai pas envie de level up le stuff de Calcifer. Allez, je level up pas le stuff de Calcifer. J'ai déjà level up ses compétences, c'est déjà pas mal. Désolé. Tac, tac, et ben on va partir sur ce délire là. Avec Endym le retour. Vu qu'on avait bien géré le stress la dernière fois. Il faudra retirer peut-être un truc prochain. Alors attendez, je réfléchis quand même. Je réfléchis parce que là, il n'y a personne pour la maladie. Si, il y a Mélanie. Ok, bon bah alors on y va. Ce que je me disais, est-ce que je retire un trait négatif? Let's go. La ferme là, éliminez tous vos ennemis, courte. Ah, le problème c'est que je comprends rien à la ferme, à la crique et à la, au cours. Je préfère pas y aller pour le moment. C'est parti. On est sur une expédition courte, donc c'est très simple. Donc 3 pelles maximum, 2 clés. 8 torches. De la bouffe. Voilà, on fait une petite économie. C'est une expédition facile. Une petite eau bénite. Et on est ben parti dans les wilds. Alors je pense que ça se prononce comme ça, wild. Je sais pas, E-A-L-D. Ouais, bonne question. Je suis pas très fort en anglais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils aient pas traduit. Même si c'est peut-être un mot français, j'ai peu confiance pour que ce soit un mot français. Ça a l'air d'être un mot anglais. Let's go. Donc on a une abomination, on a un repérage directo, c'est pas mal. C'est vrai que nous avons deux classes qui peuvent repérer, je crois. Donc l'objectif ici, c'est explorer 90% des pièces, pas forcément faire les combats. Donc vous l'aurez compris, on peut très bien faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dire qu'on fait pas celle-là. Et celle-là, elle compte. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça passe, je crois qu'on n'est pas obligé de faire celle-là. Ok, let's go. Là, on n'a pas de piège. On a notre abomination en premier, même si on s'était rendu compte que c'était pas forcément elle qu'il fallait mettre en premier. On récupère une torche directos, bah ça fait plutôt plaisir. Voilà, on récupère. On espère avoir beaucoup de repérage. Pas de combat, on le savait, dans cette pièce. Y a rien à faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire la pièce là? En même temps, on est en mode facile, on a une personnage de gestion de stress. On peut faire ce combat. On peut envisager de faire ce combat. Allez, on y va. On y va, on y va. On sera en mission beaucoup plus élevée. On sera en mission beaucoup plus élevée. On serait dans un niveau de difficulté plus élevé. Je pense que je ferai pas le truc. Là, on a un combat, ok. Un combat, on les prend par surprise. On n'est pas obligé de se transformer. On peut direct faire ça. Ça met du saignement sur les deux. Deux de dégâts, deux de dégâts. Là, on sait que lui, il peut... moins 50% de dégâts. On va faire ça. Ça, ça peut tuer, je pense. Ça tue. Attaque de zone. Pas de bol. Non, mais on va pas le laisser se transformer. Puis allez, on se transforme. On se transforme. C'est la gestion, les potes. Et on a le double attaque. Et griffe. Et ça tue les deux. Alors, on voit la rentabilité ou pas. Donc, on l'a transformé. Lui, il est toujours à 0 de stress, pas de souci. Mais eux, ils ont pris 6, 6 et 4 de stress quand même. Pierre de saignée. Chance d'infliger un saignement plus 15, vitesse moins 1. C'est pas dingue. Let's go. On peut consommer une torche quand on sera à l'intérieur. On a 96, c'est parfait. Il n'y a rien. Et ben on fait demi-tour. C'était pas ultra rentable. C'était pas ultra rentable. La croix, on pourrait cliquer, mais je sais pas ce qu'il faut faire dessus. L'ouverture des tombes. Ouf, il a gagné une maladie. Le tétanos. Précision, moins 5, crit, moins 5. Pas terrible, il faudra lui faire soigner. Pas de bol, on a perdu pognon direct sur une tentative. C'est bien joué. C'est bien joué, Ikea. Précision moins 5, crit moins 5, ça peut nous jouer. Ils ont faim, on leur donne à manger, bien sûr. Attends, on va pas cliquer dessus. Hop. Un combat, juste avant, on a mis la torche. Bon, ça a pas aidé. On a un double saignement qu'on peut faire sur la première et la deuxième unité, c'est pas mal. On peut faire ça au départ. On peut les améliorer vu qu'il a pris de la, il a perdu de la précision, notre abomination. Bon, je pense qu'on va améliorer nos unités.
Tir de suppression. Full esquive, parfait. Bien joué les potes. Transformation, bien sûr. Bah coup sur le premier. Hein. Non, coup sur lui. Ça fait chier, il a raté. On active la riposte. On met une marque sur lui. Une marque qui dure combien de tours pendant 3 tours? Rappelons que nous n'avons pas de sort de zone. Hein. Ok, la contre-attaque, il fait du bien. Il a pris du saignement. Bah, il va le tuer. Et le but, c'est de mettre du saignement sur lui. Griffure. Non. Rage. 9 de dégâts. C'est pas si mal. Hein. Moi, je pensais qu'il ferait plus mal, quand même. Bouh. Nul. Du soin. Il a résisté. Parfait. Tir à bout portant. Tir de suppression. Full esquive. Riposte. Bien joué. Pluie de feu. Un dégât. Riposte. Il meurt. Bien joué. Bien joué. Gestion du stress. 7 de stress. 16, 14. Ouais, ça monte hein, petit à petit. Tu vas taper les deux cadavres. Ah non, ça marche pas ça. Tu vas bouffer le cadavre ici. Faut qu'il décale. Voilà, faut qu'il décale. Comme ça, je peux taper dessus plus facilement. Ça, je peux faire ça. Ça retire tous les cadavres. Il arrive en première place. Tir précipité. Esquive. Parfait. Et attaque. Boum. Bon, ça va. Ça se passe bien avec ce groupe un peu chelou. Et il se détransforme, il passe à 14, 12, 17, 5. Ok. Chaud le cul quand même. Ils ont du saignement, mais un par tour pendant un tour, on va pas leur mettre de bandage. De toute façon, on n'en a pas. Donc c'est pas possible, Optiker. Let's go. Repérage. Ça serait bien si on tombait sur une salle secrète. On a un trésor, un piège, on va aller là. Pièce de combat et trésor, c'est ce qu'on veut. Je saigne. Merde. Zoophobie. Stressé, plus 20% versus bête. Oh merde. Merde, le piège, Iker. Abrutix. Tout va bien, mon petit Iker, tout va bien. Oh le noob. Il avait le piège, mais il se le prend quand même. On sent pas que c'est la première chose que je suis en bleuant faire ce record. C'est un combat compliqué quand même. Hein. On va prendre le bonus. Un crit. Set de dégâts et riposte. Ça c'est bien ça. Permet de le tuer. Et il aura foutu de l'acide. Yes, raté. Incantation stressante. Esquive. Et crit, 11. Ça dégage. Oh là là, voir le stress. Mais oui, tapez-le, il aime ça. Endim, il est prêt. Il est prêt à tous vous contrer. Gestion du stress. Endim 19, 16, 11, 9. Endim. 9 de stress, plus bonus. Tir à bout portant. Ça dégage. Gestion du stress. Elle est morte. Et ça détruit les cadavres. Bon, parfait. Esquive. Écrit. Gestion du stress quasi parfaite de la part de l'équipe de France. Une petite clé. Let's go.
Allez, il faut faire du pognon. Il faut faire du pognon, il faut faire des legs. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On continue. Allez, on repart dans l'autre sens. C'est une courte, c'est assez simple. Au niveau des PV, ça va. Calcifer va essayer de balancer un soin au prochain truc. Halt. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Calme-toi. On a qu'un seul jester, il faudrait tellement d'autres jesters dans l'équipe. Ok, une pelle. Une pelle en moins, il en reste plus que deux. On n'a plus de torches, donc on allume. Enfin, on a 4 torches. Encore, ça va. Ça stresse du côté de Andy, mais rien ne va... Tout va bien. Un cadavre. Les trésors sont 100 pièces d'or. Ah bah putain, c'était rentable. Ou pas. Hop. Pas de combat. Pas de repérage. Pas de repérage, pas de repérage. Merde. Dommage. Calcifer, pas de stress, t'inquiète. Tout va bien se passer. On allume la torche. Juste avant le combat. Bon, on les prend pas par surprise, malheureusement. On peut soigner. Soin de 12. Résistance au saignement, parfait. C'est quand même un gros soin. C'est vrai que je vous l'accorde, c'est un gros soin. Debuff, esquive-moi deux par tour. Transformation. Transformation! Parfait. Tir de suppression, ça fait vraiment faire mal. Esquive, parfait. On active la riposte pour les tirs de suppression, justement. Oh, un crit. Même pas ça. Gestion du stress. Faut que tu tapes dur. Sur lui. Boum. Ça dégage. Faut que tu soignes dur. 9 de soins. Saignement. Il saigne un dégât partout. La riposte. Non, dommage, la riposte passe pas. Tire à bout portant. Paf, ça dégage. Gestion du stress. Ok. On tape les cadavres, on est obligé. Enfin, on n'est pas vraiment obligé. Il peut faire ça. Mais il y a trop de heal à faire, donc il va faire d'abord un heal sur lui. Il a 4 de crit. Ça retire le stress et il saigne pas, donc ça va. Gestion du stress pour Endim. Parfait. Griffure. Deux cadavres en moins. Yes, l'esquive. L'esquive qu'il fallait. Ça, vous voyez, c'est un soin à 3, c'est ridicule. Quand t'as un gros truc et ça se passe, mais. Des transformations. Soin sur lui, des soins du stress. On tire 7, c'est bien. Gestion du stress. 14. Et il faut le tuer. Là, il a touché par le, malheureusement. Et on arrive. Boum, 8 de dégâts. Ok, tout va bien. Continuons. Remettons les unités. En fait, je sais pas si Endim faut le mettre là. Peut-être qu'Endim il faut mieux le laisser là. Je sais pas, on va voir. On va appuyer sur torche. Hop. Malheureusement, pas de repérage. Dommage, on aurait bien voulu un repérage. On arrive à la fin. Le sac contient ce qui contient vous appartient. 25 pièces d'or. Bon. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Une pelle. On en a plus qu'une.
On a une torche, c'était la dernière. C'est chaud du cul. Ok, j'avais dit. Continuer l'aventure, bien sûr. Repérage? Pas de repérage. On va aller voir là quand même. Des legs cachés, on a bien fait. Un portrait, surtout qu'un portrait c'est rare. Ils ont faim, on leur donne à bouffer. Une pelle. On paye la pelle. 65 de trucs. On tente ici, on voit ce qu'il y a. Et un gros combat. Et une désorganisation. Aïe 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 aïe, c'est chaud du cul, mais c'est pas grave, il va pouvoir se transformer direct. Et il a un sort qui lui permet de reprendre des plages, je crois. Il a un saut ou quelque chose. Il a bélier, avancé de 1. Qui permet de taper les deux premiers. Bélier. 11 de dégâts, parfait. Toi tu peux faire un sort de précision pour tout le monde. Attends, attends, ça, ça marque les cibles, toutes les cibles ça? Ah non. Ah c'est marque la cible, il tape le, lui en premier. Merde, my bad. Poignard sacrificiel. C'est quoi ça? C'est des horreurs? C'est des humains ça. Hop, on s'occupe des trucs stressants. Voilà. Raté. Putain, il va prendre cher. Ah non, il est ciblé mais il prend quand même des dégâts. Attire l'ennemi et devient susceptible à certaines attaques. Oh dommage. Dommage, si ça l'avait bougé, ça aurait été bien. On s'occupe de la... Ah merde. Yes, bien joué, Kaltifa. Ah, il peut rien faire là. Donc on va l'en mettre dernier. Toi, on va faire bélier sur, sur lui. On tue le cul. Tu vas faire poignard sacrificiel sur elle. C'est marrant, les répulsions qui nous aideraient, elle n'arrive pas à les caler. Ce qui est marrant, c'est qu'elles font des horribles répulsions au lieu de faire des trucs stressants. Bon, ça a fait stresser les gens, mais c'est pas grave. Il y a 6 de crit, ça fait stresser les gens. Yes, bien joué Iker, parle de stress. Porte-toi la boisse, c'est mardi. Allez, ça dégage. Merci. Ils sont à peu près où ils devraient être là. Bouffe-le. Merde. Gestion du stress. Je pense pas qu'on jouera à l'abomination après. Parfait, ça a supprimé les cadavres, c'est pas mal. Yes. Tire à vos portants. Boum. Gestion du stress maintenant. Et transforme-toi. Le soin, on s'en fout. Gère le stress sur toi-même, l'orthoseur, pour que tu puisses être envoyé dans une autre expédition après. Aïe. 18 de stress. Bon, monsieur. Dommage. Neuf de stress. Rocket Cipher, on va repartir, pas repartir en mission tout de suite. T'inquiète pas pour Chipok. T'inquiète pas, tout va bien. Oh là là. C'est dur. L'Orthoseur, lui, zéro stress. C'est bon, tout va bien. Calcifer, on le rejouera pas tout de suite, donc ça va. Allez, déstress un coup. Pour Chipok, c'est compliqué. T'as 66 de stress, on est d'accord. Le coup de poignard qui passe pas. Mais ici ça passe. Et boum! Bon bah gestion du donjon. Ouais, c'était peut-être rentable quand même. Oui, c'était rentable. On peut tenter quoi?
On peut tenter eau bénite. Le héros est béni des fontaines et ça réduit le stress. Eh ben c'était bien joué ça, il aurait fallu pas du tout le faire sur toi, mais Andy mais Lord Tozer, vous êtes pas du tout stressé, les deux autres c'est la panique, mais c'est pas grave. Let's go. C'est parti. Très belle mission les amis. En niveau pognon, c'est pas si mal, c'est du 6000, c'est les legs qui sont pas dégueux. Là regardez, ça monte bien. Ça monte bien. 2, 6, 20. Ça monte bien. Maintenant, il faut espérer des traits pas trop négatifs. Expertise de la crique. Très bien. Porsupoc. Effacement. Vitesse moins 2, moins 5. Il faut absolument retirer ça. Et la peste noire. Résistance aux infections moins 60. PVMX moins 10. Vitesse moins 5. Il faut absolument retirer ça aussi. Donc, c'est parti. Sanaka t'a récupéré. Tout va bien. À méditer, à enlever 52 stress. Sanatorium, Mélanie a vu ses attributs effacés, effacement. Événement urbain, les activités de réduction du stress de la vie sont légèrement moins efficaces. Oh, ils sont méchants, ils nous le font durer longtemps ça. Ok, c'est parti. On commence tout d'abord par la peste noire qu'on retire. Et on a également une maladie sur une autre unité qui est Porcupoc. Qui a le tétanos. Le tétanos c'est moins grave, mais la peste noire, enfin ça reste quand même chiant parce que c'est de la précision moins 5 sur l'abomination, déjà que je trouve qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Ensuite, Lord Tozer, est-ce qu'il y a un truc, peur de dieu, fasciné par les blessures et la torture, non, c'est pas ça qu'on veut retirer, c'est effacement, on peut retirer qu'un, mais on peut en ajouter un. Ouais, par contre ça augmente tellement le coût. Effacement, on retire juste effacement. Ok, ça coûte 1200, on est à 59 000 de thunes. Ça n'avance pas niveau pognon. On n'y arrive pas les potes. Mais la guilde par contre, on doit pouvoir améliorer donc 15 sur 38. La forge des beaux gosses, 20 sur 28, on n'a toujours pas assez, on a 18. Mais bon, on a 64 de blason. Donc on pourrait améliorer les armes. Mais déjà, essayons de voir les prochaines expéditions. On a récupéré de la ruine bas level. Ah, on a une longue novice qu'on veut absolument. Et on a un truc pour flagellant. Résistance au saignement plus 20 si PV inférieur à 40. PV max plus 10. Ah d'accord. C'est que positif. Hein. C'est que positif pour flagellant. T'es résistance et PV max plus 10. PV max plus 10, ça doit être tout le temps. De l'or et des bustes. Et c'est une longue, c'est ce qu'on veut. C'est une longue, c'est ce qu'on veut. Lord Tozer peut continuer l'aventure, il est level 3. On peut prendre notre heal le plus bas level. Il faut trier par niveau. Trier par niveau. Donc on va pas prendre d'unité. Trier par niveau, il y a Lord Tozer qui est premier. C'est bizarre. Parce qu'il fait partie de l'équipe, je pense. Morodachi, qui est pas forcément un tueur de zombies, mais pourquoi pas. Et derrière, on pourrait prendre une Vestale pour le heal, Lord Tozer pour la gestion du stress, et Plume pour le bourrinage. Ou alors, on prend Albert. Non, Albert, c'est pas terrible. On va prendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti nos croisés. On va prendre un petit Viram. Congrégation d'idiots. Congrégation d'idiots. Aïe aïe aïe, c'est un bon nom ça. Morodachi, Eviram, t'es pas mal. Ok, on partirait sur un truc comme ça en longue avec une bonne gestion du stress. Ça peut le faire, on buff le lépreux. Le lépreux a besoin du buff du bouffon. C'est quand même très pratique. Donc on va faire ça. Congrégation d'idiots. Les parties. On va se mettre en mode. Je vais regarder quand même ce qu'il y a dans la truc ici. On a un aspirant médecin de la peste. On va directement prendre. Un aspirant médecin de la peste. C'est obligatoire. C'est beaucoup trop fort. Et c'est tout. Ensuite on va embarquer bien sûr. On va partir sur une mission longue. Novice.
Courte novice, on récupère quoi? Uniquement pour bandit. Compétence à distance, dommage plus 10. Résistance aux étourdissements, moins 20. Là, c'est quoi? C'est l'anneau. Anneau de concentration, très rare. Précision plus 10. Crit plus 5. Esquive moins 5. Moins 8. Ouais, ça veut dire que tu rates quasiment aucun coup. Mais bon, on va rester sur une longue. Le but, c'est de faire du pognon. Le but, c'est de faire du pognon, les amis. On a combien de torches? On va partir sur 16 torches. Mais on a des gestions de torches dans ton unité, donc ça va. On va partir sur 4 pelles, 3 clés. Et c'est tout. Le reste, on fait des économies pour essayer de monter un max le pognon. On a déjà une eau bénite. Ouais, donc on fait que ça. On prend une herbe pour au cas où la gestion du stress. Non, on n'a pas besoin d'herbe. Ok. Ok, on laisse comme ça alors. On reste comme ça. On n'a pas la bouffe là, Iker. Attention. On prend 24 unités de bouffe. C'est une longue, c'est normal, faut partir là-dessus. Let's go! Let's go les potes. On part avec la congrégation. Je sais pas parler, je sais. je sais pas lire. Congrégation, c'est un mot que j'ai pas vu depuis 10 ans. Sans doute, oui. Par contre, on voit pas mal en fac d'histoire. Congrégation, ça le fait. Est-ce que j'ai des trucs de stress? Oh merde. Ok, après mûre réflexion et heureusement que la torche ne diminue pas, j'ai décidé de partir ici. Let's go. C'est une mission longue, il faut pas se rater quand même. On a quand même des unités assez HL, mais faut quand même pas se rater. On buff directement le petit croisé, etc., etc. Et on prépare un stun sur la backline, sur un des arbalétriers qui peut faire très très mal. Le stun pass, parfait. C'était pile au moment où il allait jouer. Un carreau, une esquive. Extraordinaire travail de Eviram. Ça, il est pas obligé d'esquiver, ça c'est pas très grave. Les impôts. Ok, le lépreux prend un coup de dégâts également. Il peut soigner son stress, hein, lui, regardez. Donc c'est quand même une expédition qui devrait bien se passer. On peut faire saigner le 2 et le 3. Donc c'est parfait. Faisons saigner le 2 et le 3. Ah, on peut pas, c'est des squelettes à Brutix. Un stun dans la backline. Et ça permet d'augmenter la torche, qui fait qu'on reste à 100%. Parfait. Coup de baïonnette, esquive. Pour le moment, tout va bien. On reste concentré. C'est le plus important. On tape les deux, on espère tuer le cadavre. On n'a pas réussi à tuer. Un coup d'impôt. Hop, les deux sont décalés. Il doit forcément gérer le truc. Gestion du stress. Oui, gestion du stress, allez. Stun. Pareil pour toujours la gestion de la torche. Cette fois-ci, il a résisté. Coup de baïonnette. Il nous fait un petit 2 de dégâts. C'est pas très grave. On peut faire la puissance des impôts. Et le kill! Quel groupe! Quel groupe de qualité! Je sens que ça va bien se passer. Je sens que moi, je suis pas au taquet, mais eux, ils le sont. Urne décorative. On peut mettre de l'eau bénite dedans. Mais non. On met rien puisque. Parce que pour le moment, il n'y a pas de. Je pense que ça permet de gérer le stress, mais je suis pas sûr. On rentre dans cette salle. Et on découvre un combat à 4. Oui, c'est un combat à 4 puisque cette unité baisse 2 en gros. Tir de suppression, bah ça commence bien. Heureusement, on a résisté. Le buff d'amélioration de tout le monde. Très pratique pour le lépreux qui n'a pas une précision de dingue au départ. Heal de zone. Ça commence à taper, ça esquive pas, c'est pas de bol. Un saignement en plus. Coup étourdissant sur lui là, qui est très dangereux. Voilà. Et le lépreux qui peut bourrer. 10 de dégâts. C'est bien. Toi tu vas mettre du saignement sur le 2 et le 3. Dommage, il n'a pas saigné. Gestion du heal sur le lépreux. 5. Tir de suppression. C'est le deuxième. Ça va, toujours pas de crit. On a de la chance. Il faut bourrer. La front lane. Petite esquive. Non. Punition.
mais ça fait stresser. Faut bourrer. 17. Ah, ça commence à faire mal. Gestion du stress. Gros soin. 4. J'ai oublié de mettre mes... reliques. C'est pour ça qu'on galère, je trouve. Quelle gestion pourrie de la part du joueur français. Retire tous les cadavres. Purge. Parfait. Quelle gestion pourrie de la part du joueur français. C'est pas possible, Iker. C'est pas possible d'être aussi nul. Let's go. Les impôts. Les impôts, ça fait mal aux humains, forcément. La gestion d'huile va être compliquée. Ok, ok. Pas mourir, Moro. Un petit 6 à 5. Tout va bien. Les impôts, le retour, double kill. Oh putain, c'est un donjon. On peut faire grave du pognon, mais faut pas se rater. Et le problème, c'est qu'on a oublié les reliques. Et ça, c'est pas beau. En plus, on va passer sur un combat, mais c'est peut-être un petit. Pièce avec Curio. Ok. Torche, et on va manger un petit peu du côté du lépreux. Je pense qu'on est obligé de le faire manger. Quoique, on n'est pas obligé. Faisons-le pas manger. Il peut par contre faire ça. Utiliser ça. Ah merde, c'est pour du pognon. Moi je pensais que ça allait le soigner. Oh putain, c'est un sacré combat, mais ils sont pris par surprise, donc ça va. Ça pourrait être pire. On buff notre unité. On soigne le lépreux. On fait un coup d'impôt. Oui, double kill. C'est bien. On a supprimé deux unités. De l'esquive, ça va. Pas pris trop cher. Double tir de suppression qui fait mal. Mais ça va. Ça pourrait être pire. Gestion du stress. Voilà. Personne n'est stressé, tout va bien. Heal de zone. Un crit. En plus, c'est parfait. Pas se rater un peu. Non. Supprime les cadavres. Il passe en premier et deuxième. Les impôts. Le saignement. Merde. Le soin de zone. Allez, un peu d'esquive s'il vous plaît. Merci. Ça va, on encaisse. Les impôts. Esquiver les impôts, putain, ils sont forts. Hein. Soin. Voilà. Parfait. Oui, Moro, ça c'est une belle esquive. Il le zone. Oh, la gestion de la part du joueur français. Il va falloir, faut oublier. Quand, dans ces cas-là, dans la vie, vous avez raté un truc, vous avez oublié les reliques. Hein, faut pas se le répéter toute la journée. Faut faire avec. Donc on fait avec. On fait avec les beaux gosses. Ça, ça représente 500 de valeurs communes. Il y en a 3. Donc c'est 1500 de pognon quand même. C'est pas dégueu. Mais les legs, on en a besoin également. Donc on va faire ça. Peut également utiliser sur un héros pour ôter un malus de combat. Ok, bon, ils n'ont pas de malus. Ah si, il a un malus. Voilà, c'est génial. Et comme ça, il l'aura plus. Mais on s'en fout. Et voilà. Et on va bouffer de l'herbe. Une torche. T. Parfait. J'ai une avec ce jeu, si tu veux jouer à une main. Et t'es chill. Ok. Ok, les amis. Donc maintenant, on va forcément vers la droite. Bibliothèque, ça peut aider, ça peut faire des repérages. Ok.
Moi, je veux bien un petit combat là. Mais un petit combat. Non, pas de petit combat. De toute façon, on avait repéré. Mais c'est pas sûr qu'on avait tout. Là, on sait qu'il y a une curio. Mais on savait pas qu'il y avait des bestioles. Soin de zone. Un petit crit, c'est parfait. Une toile. Ça veut dire qu'ils vont cibler leur Tozer. Ça fait chier ça. Leur Tozer, je pense qu'on va le faire. Il s'est fait stun. Il peut pas jouer. Et il va se faire target tout le truc. Oh, aïe, aïe, c'est chaud pour leur Tozer là. Il prend très très cher. Oh, le focus sur leur Tozer. Heureusement, il fait une belle esquive. Les impôts. Les araignées n'aiment pas les impôts. Personne n'aime les impôts. Oh, ça dégage. Non, j'aurais dû faire gestion du stress, je pense que ça aurait été mieux. Soin de groupe. Bien, belle esquive. Pas belle esquive. Soigne-toi. C'est un moment important de remonter le heal de Moro. Oh, du pognon. En général, ça se stackera pas, donc on peut considérer qu'on stackera l'or, vu la longueur du donjon. Et ça, de mémoire, faut utiliser une pelle ou une clé. Je crois que c'est une pelle. Un petit peu de pognon, c'est bien. Et un repérage, parfait. Un beau repérage, ça serait bien. Avancer pour ce combat. Un obstacle. Donc il faut une pelle. Est-ce qu'on esquive la pelle? Eh, attention, c'est risqué, il restera 3 pelles après. Ouais, on y va. On tente le coup. Ils vont bientôt avoir faim. Une torche. Allez les gars, stressez pas les potes, stressez pas. Ouais. Ok, go. On sait que c'est un combat, espérons que ça soit pas un combat trop gros. C'est un combat avec une unité stressante. Donc c'est gérable, je pense. Le buff de tout le monde. Inspiration and improvement. Stun sur l'arbalétrier. Ça passe. Le lépreux. Qui bombarde. Les impôts. Oui, le kill sur une des unités qui fait le plus mal. Dommage, on ne tuera pas incantation stressante. Mais ça va, le stress, on peut le gérer. Finalement, est-ce que c'est le stress le problème ou plutôt les dégâts là, qu'on peut nous caler? Plutôt les dégâts, je pense. Question du stress. Directement mis à contribution. Un petit soin de zone. Un petit crit à 6 sur le lépreux. Parfait, ça le fait déstresser également. Gobelet de tentation. 19 de stress. Ça purge les cadavres, mais est-ce que ça purge un cadavre qui vient d'être fait? Ah, ça purge un cadavre qui vient d'être fait, ça c'est pas dégueu. Maintenant il est en coup de baïonnette tranquille, il fait plus de dégâts. On est bien. Les impôts. Non, pas les impôts. Le stun sur. Le kill sur cette merde. Voilà, bien joué, Viram. Et résultat, comme ça on peut gérer le stress tranquille, bilou. Du côté du lépreux, de notre. Lui. Swan zone, bien joué. De baïonnette, mais c'est pas grave, on va le faire se soigner. Et voilà, pas de stress. 10. Arrêtez de jouer ou les renforts vont débarquer. T'inquiète, pas de soucis. Ils viennent forcément à la fin d'un tour. On est d'accord, ils peuvent pas venir pendant un tour. Coup de baïonnette. Donc là, il faut réussir ce tour, le tuer et c'est bon. Bien joué. Ouf, pas mal de choses. Pilleuse de tombe, vitesse plus 2. On s'en fout. On n'a pas assez de lumière. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas jeter. Je jette les 3 torches. Ouais, je suis quand même ballsy de faire ça. Hein. On monte à fond. Allez, on est avec des classes qui peuvent peut-être se le permettre. Parfait.
Là, on est là. Faut maintenant aller là. Là. Ouf. Un piège Mourmoreau. Heureusement, on a une bonne gestion des PV et une bonne gestion du stress. Donc, ce qui fait qu'il a pas trop pris cher, Moreau, là-dessus. Il a pu l'encaisser. Les caisses sont vides, pas de bol. On est à 70, on va faire genre qu'on n'a pas besoin de, d'améliorer la vision. Faire avec. Saignement, non, amélioration de tout le monde. C'est pas un combat facile encore. Ça va. Soin de groupe. Bien joué. Stun ce truc. Parfait. Neuf de dégâts, c'est bien. Fait le saignement sur les deux. On essaye, ça passe. Un soin zone encore. Moro il peut se soigner tout seul donc. Je préfère vraiment bien remonter tout le monde derrière parce que le tir de suppression ça fait des dégâts quand même. Faut bourrer. Voilà, un petit 18 du lépreux. Ça, c'est beau, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il tue le cadavre, mais c'est compliqué, ça. 12, il y a beaucoup de PV, le cadavre. Coupe étrange. Double esquive. Esquive est manquée. C'est pas la même chose. Gestion du stress. Ouais. Soin de zone encore. Ça fait mal. Il ne restera plus que du sang. Purge. Ça, il décale. Les impôts. On fait un kill, c'est parfait. Gestion du stress sur Moro. Il monocybe sur Moro. Un petit 5. Esquive, sauf sur Moro, c'est parfait. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Frappe ici. Auto-soin. Excusez-moi, ça me touche. Il y a un de stress. Gestion du stress sur lui. C'est parfait. Heal sur lui. Et après, kill. Voilà! Parfait! Parfaite gestion. Uniquement pour pilleuse de tombe. Dommage versus. Plus. Dommage. Ouais, dommage plus 20 versus infection. Ah, ça c'est pas mal si t'arrives à cumuler. Finalement, vous voyez, ça on en aurait eu un quatrième. Donc 2000 de pognon. Finalement, ça aurait été mieux. On aurait pu cumuler 2000 de pognon au lieu de 1750. Vous voyez, c'est dommage. Là, un saphir, il y a peu de chances que ça se stack. Donc, vaut mieux prendre le truc. Et damage versus infection, c'est pas dégueu, mais on n'a pas comme objectif encore de mettre ici. On n'a pas d'autres leaks. On n'a pas d'autres leaks. C'est dommage, hein, on peut pas le mettre dans une poche d'un de nos unités. On peut pas le mettre parce que c'est pour pilleuse. Tant pis. Allez, une clé. Un compartiment secret, 52 pognons, une herbe. Putain, encore un truc comme ça. Oh, on en aurait eu 5. Ah, c'est pas de bol. Ça, voilà, les citrines, on est à 1000. Vous voyez que c'était plutôt ça que j'aurais dû jeter, pas ça. J'ai fait un peu le débilus. Vous allez me dire encore, comme d'hab. Vous allez plutôt me dire comme d'hab. Allez, let's go. Comme quoi, il y a des trucs à travailler. Dans ce jeu, il y a des trucs à travailler. Les erreurs d'inattention, vous me connaissez, c'est mon plus gros défaut. C'est à dire que je suis pas trop con dans les jeux vidéo, mais par contre je fais énormément de fautes d'inattention. Je suis trop en pilote automatique si vous voulez. Oh, le déplacement de la Vestale et du machin, ça c'est pas dingue. Surtout qu'on peut pas les faire saigner, donc on va buffer quand même les unités. Gobelet de tentation sur la Vestale qui peut rien faire ici à part. Qui pourra rien faire premier tour, je pense. Enfin, rien faire premier tour. Ouais. 6 de dégâts. Ça peut dégénérer, faut faire attention. La Vestale peut rien faire ici, bien sûr. Assez logique. Les impôts.
Et le lépreux qui va rien pouvoir faire en dernière position, je pense aussi. Là, c'est un peu mieux. S'il vous plaît, vous pouvez rater des coups. Merci. Gestion du stress. Elle se fait tellement target focus, la Vestale, la pauvre. Mais ça y est, elle peut faire un soin de groupe. C'est déjà un petit peu mieux. Et il peut encore se déplacer d'un. Ça va mieux, ça va mieux. Les impôts. On en tue un, c'est déjà ça. Carreau. Ouais, ça peut partir en couille. Ça peut partir en couille. Ouf, un crit. Heureusement que Mélanie sort le crit, là c'était important. Coblet de tentation sur le gesteur. Il prend 23 de stress. Carreau. Pas de crit s'il te plaît. Merci. Les impôts. Allez, dégage toi. On t'aime pas. Gestion du stress. Soin de zone. Gobelet de tentation sur la Vestale. 3 de dégâts. 14 de stress. Coup de baïonnette. C'est bon. Le mec commence à plus faire trop mal. En plus, il place lui en deuxième. Histoire qu'on lui pète le cul. Les cadavres disparaissent. Parfait. Gestion du stress sur Lord Tozer. Soin monocybe de Mélanie sur elle-même. Parfait. Ok. Bon. Le combat se passe. Bon. La citrine, ça monte encore. Donc pourquoi pas. C'est positif, ça, je crois. Ah, des vies. Ah oui, c'est positif. Ah, ça se stack que 5 fois. Ah, mais c'est nul à chier en fait comparé à un Tador. Parce que ça se stack que 5 fois. Ah, ouais, c'est de la merde. On va utiliser un Tador. Hein. Ouais, on va utiliser un Tador. On remet les unités là où elles doivent être. Est-ce qu'on fait notre premier campement? Non. On continue. C'est ballsy, mais on continue. Faudra optimiser les torches. Quand il nous restera 5 torches, je pense qu'on fera un campement. Pour optimiser la torche. On va essayer d'optimiser un maximum, le pote. Ok, là, il n'y a rien, on le savait. On retourne dans ces pièces-là qu'on ne connaît pas, par contre. Là, on sait qu'on a un sac à ouvrir. Le sac contient 100 pièces d'or. Et ben, on dégage ça. Ça vaut pas le coup. Ils ont faim. Normal, on pouvait s'en douter. C'est la première fois qu'ils ont faim depuis le début. Hein. Ils ont pas très faim, hein, ces aventuriers. Allez, on tente. Le 43 de torche, plus combat. Mais on les prend par surprise, on a du cul. Pourtant, regardez, stress plus. Regarde, pénombre 43, stress augmenté, butin, cri de joueur, monstre surpris. Ok, donc il y a un peu plus de monstres surpris. L'objectif c'est de les buffer là et de réussir ce combat et ensuite de prendre notre premier campement, je pense. Ça sera plus judicieux. On va essayer de stun. Il est étourdi, parfait. Ensuite de taper la front lane. Et boum, kill. Pas double kill, dommage. Gobelet de tentation. Ça va, ça fait chier mais... Deux unités de stress quand même, hein. C'est chiant. Là, il faut tout sur la Vestale, c'est chaud du cul. Elle a 69. Ça va. C'est réparti sur deux, c'est bien. 16, les impôts.
Crit. Ouf, c'est pas de bol, je voulais qu'il fasse ça. Étourdi en plus. Il peut pas jouer. Ça se passe pas si bien là. On peut peut-être le foutre le saignement. Oh merde. Ah oui, on peut pas foutre le saignement sur ces unités. On va pas soigner. On va tuer. Oh putain, le stress. 92. Double impôt. On récupère ça. Ouais, bah oui. L'eau revigore le héros. Ah, j'aurais dû faire ça sur elle. C'est pas grave, let's go. Alors, on peut se prendre une embuscade. On va utiliser 8 de bouffe pour faire baisser le stress au maximum. On rappelle 10. On va utiliser pieux, bien sûr, si on l'a. Stress moins 15, si pieux. Bien descendu à 37. Let's go les amis. On a un bandage. Elle peut pas l'utiliser sur elle-même. Stress moins 15 pendant 4 combats. Je pense que ça sera bien sur la Vestale qui va se faire target encore. Let's go. Allez, espérons qu'on n'ait pas de combat à faire. Pas de combat à faire, on est chanceux. On est chanceux les potes, tant mieux. On va pas pleurer. Le donjon est encore loin d'être fini. Un piège pour Moreau, c'est pas très grave. Il peut l'encaisser. Il peut largement se permettre de l'encaisser, Moreau. Il est solide. Ok, on utilise notre première torche. On a 7 torches. 6 torches, pardon. On est bien. On continue. Repérage. C'est un petit repérage. On a un combat. 25 pièces d'or, on prend. Il y a des slots qui se libèrent. Ne vous inquiétez pas. On va... Oh, petit combat. Enfin, je crois que c'est notre premier petit combat. Gestion du stress, alors. À moins qu'on se prenne un crit, c'est un bon moyen de gérer le stress, ce combat. Carreau. Petite esquive en plus sur le coup qui aurait pu faire le plus mal, les impôts. Bien joué, c'est ce qu'on veut. Double kill. Gestion du stress, la Vestale. Ça diminue, 19. Parfait. C'est ce qu'on veut. Soin mono-cible sur Moreau. Parfait. La purge. Pour retirer tous les cadavres. Voilà, il passe premier. Ça sera coup de baïonnette donc. Et donc seulement 2 de dégâts. Un étourdissement. On va faire durer le combat un peu plus longtemps. Question du stress. Sur notre Vestale. Qui descend à 10. Quelle gestion parfaite du combat! Alors qu'on a été un peu débilus, je vous l'accorde. Le kill, boom, parfait. Parfait, du pognon. Putain, ça, ça aurait pu se cumuler je sais pas combien de fois. On va garder, pour le moment, on va garder. On continue. On lui met une torche, quand même. À 3 torches, on fera un campement, je pense. Le dernier. Pas de combat, parfait. On aime bien ça. Alors, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est d'accord. Donc, normalement, je suis même pas obligé d'aller là. Mais on y va quand même. Ils ont faim. On leur donne à manger. Normalement, niveau bouffe, on est bien. Ah non, niveau bouffe, on est plus si bien que ça. Oh, je fasse gaffe alors. Donc on va explorer cette pièce, allez là. Repérage. Ah. Ok. Bah on n'y va pas.
Ok, on y va pas, les potes. Ah. Est-ce qu'on a des herbes? On n'a pas d'herbes. On les a achetées. Donc on ouvre pas ce truc. On est à 68. On utilise la dernière torche. On traverse cette salle. Et après, on fait un campement. Un piège. Ça fait chier. Ça va. Ça aurait pu être pire. Hmm, 69. Le cas contient une carte. Ça, c'est bien, ça. Ouf, il y a un paquet de combats, les amis. J'espère que vous êtes chaud. J'espère que c'est des petits combats. Hein. Ici, déjà, il n'y a pas de combat. Et il y a un repérage en plus. Mais ça nous donne rien de plus. Ok, bah, let's go. J'ai décidé de pas allumer de torche. C'est, je me doutais que ça allait être un combat de ce style. Donc je suis content. Stun. Ça allume la torche en plus. Ça la fait monter à 45, c'est bien. Toile pour cibler la vestale. Comme d'hab, elle s'aura fait cibler tout le donjon. Elle est stun en plus. Ça, c'est pas de bol. On va jouer sans l'amélioration de dégâts. Plus poison, ça commence bien. Plus un 11 de dégâts derrière. Non mais what the fuck. Il l'aime pas. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Ok. Oh, largement rentable ce combat. Ça, c'est 750 l'émeraude, donc on va mettre à la place de ça. Ok. Yes. Celui-là, on l'a déjà ce truc. Pas terrible. Pas de combat, parfait. On continue. On continue ou on fait la torche? Il nous en reste combien? 3. Non, on fait le campement. On utilise 4 de bouffe. Et comme ça, il nous reste 4 de bouffe. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. 4 de bouffe. De toute façon, la gestion du stress est quasiment parfaite. Donc, ça va. Si on fait un pieu. Uniquement sur soi, stress moins 15. Uniquement sur soi, damage plus 20 des PV. Tous les compagnons, stress moins 20. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal. Et il l'a eu ou pas? Ah, dégâts 20% des PV. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu que ça faisait dégâts sur soi. Mais c'était une bonne question du... Soins 15% des PV. Voilà. C'est bien, c'est parfait. Et une petite gestion du stress et tout va bien. Un pieu, ça retire 5. Oui, il est pas pieu, le lépreux. Le lépreux n'est pas pieu. Le lépreux n'est pas pieu, non, je pense. Donc stress moins 15. Et lui. Putain, un compagnon stress moins 30. What the fuck, c'est broken ça? Uniquement sur soi, stress moins 25 pour 4 combats. Let's go, on met le 3, hein. C'est parti. Allez, combat ou pas combat? Pas combat. On est chanceux. Je suis d'accord avec vous, on est chanceux. Et là, il y a un combat. Et c'est un gros combat. Donc heureusement qu'on n'a pas eu un gros combat après, ça aurait pu être compliqué. Buff les alliés. Ok, bah la gestion du stress est plutôt bonne. Maintenant, faut finir le donjon, les amis. Il nous reste plus tellement de trucs à faire. On va essayer de stun lui. Un peu pas mal, ça évite une partie des dégâts. Faut l'esquive, ça c'est beau ça. Il peut pas attaquer en plus. On va essayer de faire un étourdissement sur lui. Résistance, pas de bol. On va taper 14. On va mettre le saignement sur lui et sur le troisième. Dommage. Mélanie qui doit se soigner. Ah merde, c'est un soin de zone que j'ai mis. Pas de bol. Bon, c'est pas grave. Faut espérer que Mélanie tienne le coup. Full esquive encore sur le tir de suppression. On a de la chance, putain. Notre problème, c'est qu'on n'a pas de truc pour target la backline. Ce qui est un peu chiant dans notre groupe. On va pas se le cacher. On va essayer de l'étourdir. Toujours pas.
Ça va, ça fait pas si mal, mais ça fait stresser. Un peu le truc chiant. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. De dégâts, il a 6 PV. Eh, il y a peut-être moyen qu'on le tue, non? De dégâts, 4 de saignement, il crève? Oui, il crève. Il le zone. Parfait. Je peux essayer de retirer le cadavre. C'est fait. Je peux stun. Je peux soin de zone. Avec un crit, c'est parfait. Ça diminue le stress de Eviram. 0, 0, 5. Tout va bien. On diminue le stress de Mélanie. C'est parfait, c'est parfait. Et on essaye de replacer le stun. Avec un crit, il peut pas taper. Et donc on est bien. On peut faire gérer le stress de notre ami le lépreux. Et là, bah on n'a rien à faire à part une balade guerrière. Donc on va la faire. On rappelle, si on a combat juste derrière, c'est rentable. Sinon, non. Ça va, c'est 3 de dégâts, ça reste largement bon. Et on finit. Oh, on a une torche, les amis. Et on a du stack de pognon à faire. À la place de ça, je pense. Ça sera plus rentable. Va falloir qu'on jette les clés. Hein. Va falloir qu'on jette pas mal de trucs. La caisse est vide, pas de bol. On utilise une torche, on est à 94, on est bien. Ok, bah continuons. On a des herbes. On va pas récupérer là. On va pas récupérer. My bad. Torche par contre, t'es. Putain. C'est chaud du cul. Hein. J'ai eu peur pour Mélanie à un moment dans la run, mais ça se passe bien. On est content. A chaque fois, je veux faire un épisode court, mais je me démerde pour faire un épisode long. Quel carnage, oui. Ah non, fasciné par la violence, ouais. On peut te tromper une fois, mais pas... J'ai pas compris. J'ai pas vu la phrase. Mais il a récupéré une maladie. Non, il l'a esquivé. Il a esquivé la maladie. Putain, on a de la chance. Surpris. Ah, bon, bah, c'est bien, ça. Prends par surprise, on commence par du saignement. On heal de zone. Et on va pouvoir bourrer. Boum. Allez, on tape en zone. Ah, je pensais pas qu'on pourrait tuer. On a pu tuer. J'aurais dû vérifier. On a bien fait de faire comme ça. Esquive en plus. On prend pas de dégâts. Derrière, on peut faire une gestion du stress sur Mélanie. Oh. Un petit soin de zone. Et on le finit. Non, pas de bol. Poignard. Pas de crit. Une esquive. Parfait. Et on finit. Et boum, 800 pièces d'or, ça c'est bien. Une petite torche. Et je crois que quand on va rentrer dans cette salle, ça va considérer que c'est fini. Mais bon, on aura fait une salle de plus, c'est pas très grave. Ah non. Il faut encore faire la dernière. Putain, on avait calculé juste. Hein. On a un piège et un cure. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on a fini quand on arrive là. Parce que moi, je pensais qu'on avait... Il y a juste deux pièces qu'on n'a pas faites. Ah ouais, putain, faut compter. Il va falloir que je revérifie ce genre de truc. Enfin, faut que je retienne ce genre de truc. Le sac contient un butin. Une torche, on l'active tout de suite. On a 98 comme ça. Une quête de bouffe qui sert à rien, mais bon, c'est pas grave. On a un piège. On est à du 60, 80, 100%. Désarmé. Alors c'est censé enlever du stress. On a foutu après. Non, je déconne, c'était après que ça s'est ajouté. La dernière torche.
Et c'est fini! Continuez l'aventure et il n'y a rien à récupérer, c'est pas de bol. Mais niveau pognon, on se met quand même bien. Niveau leg, c'est pas si dégueu. Donc on va dire que c'est pas mal. On va dire que c'est une bonne expédition quand même. C'est une bonne expédition. Et surtout, on gagne 7500, donc c'est quand même énorme 7500. En plus des 9000 qu'on fait. Niveau leg, c'est pas mal. On a fait quand même des bustes. Je crois que c'est des bustes ça. Oui, on a fait des bustes. Je crois qu'on a fait ce qu'il faut pour pouvoir améliorer au moins un truc. Level 4, Eviram. Beau gosse. Mélanie, level 3. Anxiété, stress plus 30. Oh, faut retirer cette merde. N des horreurs. Damage plus 15 versus horreur. Stress moins 15 versus horreur. À remplacer robustesse. Souffre de vision et d'illusions religieuses récurrentes. Passion divine. Ça a l'air pas terrible, ça. Du matin. Vitesse plus 2 si torche supérieure à 75. C'est extrêmement fort, ça. Faudrait limite valider, hein. Ça nous permet d'avoir un lépreux qui attaque beaucoup plus vite. Et donc sur lequel on peut retirer de la vitesse et mettre de la... Le traitement de la maladie du tétanos de Porcipoc. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bravo les potes. Sanatorium. On sait direct qu'il y a une maladie sur Mélanie qu'on veut absolument retirer. C'est anxiété, stress plus 30. On veut absolument pas que ça reste ça. Est-ce qu'on a d'autres maladies? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres maladies. Donc maintenant c'est très mental qu'on veut retirer. Des unités qu'on avait avec nous. Moro. Moro, est-ce qu'on veut lui retirer? Crit moins 5 si PV inférieur à 50. Effacement. Esquive. Vitesse moins 2, esquive moins 5. Ah ouais non, ça il faut retirer. Et il faut essayer de valider du matin. Ça coûte 10 000. Ça fait mal au cul. Mais Moro sera puissant. Comme ça. Ah ouais les potes, on fait pas de pognon hein. Sur cette finalement on fait pas de pognon du tout sur ce truc. On a descendu en dépenser. Et puis en plus on avait oublié de faire déstresser Porcupoc. Mais qui va méditer un peu. Calcifère, non, Calcifère on s'en moque. Et voilà. Et voilà les nouvelles recrues. Oh, un homme d'armes. On prend. Un homme d'armes, on prend. Un croisé en plus, on prend. On est à 21 sur 22. Il me faudrait un jester. Donc une unité pour gérer le stress. Un deuxième, ça serait bien. Donc là, on a trois nouvelles recrues, les amis. Trois nouvelles recrues. Il va falloir les nommer. Allez, on va appeler notre homme d'armes. On va l'appeler... Tonton. Tonton Jag. C'est écrit comme ça. Tonton Jag. Je crois que ça s'écrit comme ça. J'espère pas avoir fait de faute. Notre nouveau croisé, on va l'appeler Tanuzuki. T-A-N-U-Z-U-C-H-I. C-H-I, ça va. J'ai pas fait de faute. Et le médecin de la peste. Alors ça, le médecin de la peste, je vais essayer de trouver. On va l'appeler... Amchagar, c'est parti. Amchagar, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Donc trois nouvelles recrues. À qui il faut qu'on regarde les compétences. Donc les compétences de Tanuzuki, c'est parti dans la guilde. Il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Il a le soin plus torche plus 5. Il a pas la lance sacrée qui est quand même très puissante. C'est vrai qu'on n'utilise pas, mais il faudrait qu'on l'utilise. Ok, on va dire que c'est bon pour Amchagar aussi. On connaît bien. C'est un médecin de la peste. Ça, c'est le stun mono-cible. Ouais, il a le stun de zone, c'est déjà suffisant. Il a les compétences qu'on aime. Pas de soucis. Et le maître d'armes. Donc, une nouvelle unité, les amis. Qui est un gros gros tank qui peut booster l'esquive à tous ses alliés. Beuglement, hein, c'est pas ça. Esquive moins 5, non ça c'est marque. Ça c'est les dégâts. Protège un allié, bonus sur soi, prod plus 15. Ça il a une riposte, c'est bien. Et voilà, bonus sur cible, esquive plus 5, stress moins 10. Ça c'est très bien. Et il a ordre. Bonus sur cible. Précision plus 5. Crit plus 4.
Dame H plus 15, 6 héros gardés. On va donc lui faire jouer. Ça c'est une riposte. Donc ça c'est bon, on active la riposte. Avancée de 1, rempart. Ouais, c'est pour avancer, ça c'est pas dingue. Et ça permet de pousser étourdissement de base 100%. Ouais, c'est un beuglement, ça c'est malus sur 6, esquive moins 5, vitesse moins 5, chance de crit reçu plus 5, durant marque basée sur 100. Ça c'est un debuffer qui est quand même assez off. Esquive moins 5 et vitesse moins 5, c'est quand même pas mal. On est d'accord, utilisable sur toutes les positions. Ça reste une unité qu'on met en général en deuxième position. Ok. Eh ben, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Encore une nouvelle fois, un épisode assez long, mais on avance. On a pas mal de recrues maintenant. On est à 21 sur 22. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir un bouffon en plus. Et sinon, niveau, trié par classe, regardez. Trié par classe, on est sur quoi? On a donc trié par classe. Allô? Ah oui, il faut les enlever du groupe pour que ça débug. Hop, enlever du groupe. Trié par classe. Donc on revient. Nous avons donc dans le groupe 1 lépreux, Morodachi. 1 brise-bouclier. Très très fort pour pas les donjons qu'on fait actuellement. Mais il va falloir qu'on le level up. Et surtout, il faut qu'on lui retire toutes ses malédictions. Donc il faut faire des donjons de base où on a un campement. Eviram, Upsios et Tanuzuki, les trois croisés. On a une abomination. On a deux flagellants. On a seulement un maître d'armes. On a deux bandits. On a un occultiste qu'on va peut-être kick hein, au bout d'un moment. On a 4 Ilbot. Fallen, Eva, Inganil et Mélanie. On a Albert, le cinquième mousquetaire, en maître chien. On a Plume. On a Lord Tozer, Sylvain et Amchaga. Donc on a une bonne équipe. Je trouve que c'est plutôt bien. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et à me dire ce que vous pensez de cette run. On se débrouille bien. Sachant que c'est ma vraie première run. Hein. On est à combien de semaines? On est à combien de semaines? On est à combien de semaines? On est dans le mode de difficulté le plus facile. Mais on est à combien de semaines? C'est écrit là. On est semaine 21. Semaine 21, les potes. Ça va. Semaine 21. J'aimerais essayer de faire le donjon. Les 4 étages du donjon des ténèbres. Le donjon ténébreux. Le Darkest Dungeon, quoi. Ce qui est là. Avant la centième. C'est ce qu'on doit faire dans un mode de difficulté Blood Moon. Mais le problème, c'est qu'en Blood Moon, comme je vous ai dit, on ne peut pas mettre des personnages de level 3 dans les donjons de bas level. Donc c'est hyper compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus dur. Et puis, bon, vu que c'est ma première run, voilà. Après, sur Darkest Dungeon 2, qui est censé sortir en 2021, on fera sans doute des modes de difficulté directement un petit peu plus durs. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!